Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis à Brico Dépôt. On va aller faire un petit tour ensemble du côté des cuisines, etc. Et là, ils ont changé en fait quelques modèles de cuisine. On retrouve les anciens modèles comme ça. Enfin, les anciens modèles. Ils sont toujours en vente, mais c'est juste ils ont beaucoup de modèles, mais ils sont pas tous exposés. Donc, du coup, regardez, on a les façades donc d'exposition à 1 euro. Regardez celle-ci, franchement 1 euro ça vaut le coup, mais il reste pas grand chose. Hein. Il y a également du coup celle-ci en bleu. Donc, le bleu il y en a pas mal. Donc après vous achetez, il faut acheter les caissons. Là il n'y a que les façades, il faut acheter les caissons. On a ici, ça c'est la stevia en rouge. Les caissons hauts, il y en a 4 comme ça, vitrés avec les petites poignées dorées, c'est 70 euros. Meuble haut, 70 euros. Et il y a aussi une colonne de l'autre côté là-bas. Alors il y a également là la colonne comme je vous disais tout à l'heure, celle-là, avec les deux tiroirs en bas, l'emplacement du four, elle est à 150 euros. Allez, du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'on retrouve du côté des cuisines. Alors à savoir que les cuisines chez Electrodépôt, elles sont garanties 25 ans, il y a un large choix. Donc le stock est disponible tout de suite, il n'y a pas de commande, etc. Vous pouvez faire le point avec un conseiller, une conseillère et vous servir directement derrière. Donc voilà, vous pouvez venir étudier votre projet donc avec un conseiller, faites un plan en 3D, comme ça, ça vous permet de vous projeter, voilà, de faire le point sur tout ça. Vous pouvez également le faire via le site hein, bricodepot.fr de chez vous, bien au chaud, il n'y a pas de souci. Bon, même là, on est au chaud, mais bon, pas de problème. Alors, ils ne font pas la livraison, ils ne font pas le montage. Pour la livraison, ils peuvent vous prêter donc leur camion une heure dès 350 euros d'achat. Pour le montage de cuisine, ils vous proposent un service en collaboration aussi avec service Nidelp. Voilà, accompagnement personnalisé, garantie satisfait ou refait, assurance incluse. Donc voilà, c'est un service bien évidemment qui est payant. Voilà pour les renseignements. Je vais vous montrer toutes les cuisines qu'on retrouve ici en exposition. Je vais vous dire le prix, donc le plan type et le modèle exposé pour avoir un petit avis. Enfin pour se projeter un petit peu. Donc le plan type, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit ici sur l'image, sauf l'électroménager. Donc c'est la façade, les caissons, pieds et étagères inclus, sauf il y a les charnières standards. Vraiment là c'est les standards pour 289 euros. Donc là il y en a 3 en bas et 3 en haut. Donc là c'est le modèle, c'est le Balsamita, c'est le premier prix, 289 euros pour le plan type. Elle existe de deux couleurs, donc il y a la blanche comme ça, c'est une finition mate. La qualité, elle est là, hein, franchement. Regardez. Donc là, on a du gris. Alors pour celle-ci, vous voyez, ils ont opté pour un système push-up comme ça. Il suffit donc d'appuyer et hop. Voilà, je vais également vous montrer différents rangements intérieurs. Par exemple, là, on a bon les casseroliers. Rien d'exceptionnel, mais franchement, les casseroliers, moi, je suis adepte, j'aime trop. Vous pouvez y ranger plein de choses. Pas que des casseroles et des faitouts et des poêles. On peut y mettre des verres, des bols, des assiettes. Donc ça, c'est top. Je me souviens plus de combien supporte par charge max par tiroir. Mais c'est plutôt pas mal. On peut y mettre des assiettes et tout. Moi, j'y mets des assiettes, des bols, etc. C'est à proximité, c'est plus simple. C'est vrai que quand c'est en hauteur, ben, c'est un peu plus... Voilà, moi j'aime bien. Moi je trouve que c'est le top du top pour les rangements des casseroliers. Franchement, moi j'en mettrais partout. Voilà, ensuite, donc là, toujours 289 euros pour le plan type et le modèle exposé, 1731 euros. Vous voyez, c'est la même cuisine. Hein. Le fait d'avoir changé de crédence de plan de travail, poignée ou pas poignée, ça change vraiment tout. On est vraiment sur deux styles différents. Là. Voilà. Ensuite, vous choisissez bien sûr le plan de travail que vous souhaitez, la crédence que vous souhaitez. Là, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on a ici, ce qu'ils ont en rayon, en modèle d'expo. Là, c'est la cuisine Chia, décor imitation chêne gris. Donc, le plan type est à 299 euros. 299 euros. Le modèle exposé, c'est 2659 euros. Je vais également vous montrer pour le coup le système ici. Voilà, donc là système d'angle, on a deux modèles, hein. Il y a donc celui-ci, ça évite de fourrer la tête dans le meuble pour voir ce qu'il y a au fond, pour voilà, perdre vraiment aucun espace. On peut également mettre des casseroliers en dessous de l'évier ici, sans souci, pourquoi pas. Donc là on a une fermeture amortie et silencieuse. Vous voyez comme ici par exemple,
on pourrait mettre un évier et avoir des rangements sous évier. Donc ici des petits tiroirs, on peut y mettre des éponges, des chiffons, pourquoi pas. Mettre ici des produits ménagers et encore de l'espace pour en mettre en dessous. Pourquoi pas? Ensuite, on a la Shia chaîne claire. Celle-ci, le modèle exposé, c'est 1499 euros. Pour le plan type, c'est 349 euros. Voilà. Ensuite, on a ici le modèle Stevia. Donc, Stevia, c'est le modèle qui était tout à l'heure que je vous ai montré à 1 euro. Les portes en rouge. Et bien là, c'est le même modèle en blanc. Voilà. Donc là, ils ont mis des poignées en bois, mais vous pouvez en mettre ou pas. Il y a plein d'autres poignées, je vous montrerai ça juste après. Le plan type, c'est 339 euros. Et là, pour le modèle exposé, 1887 euros. Pour ceux qui se posent la question, parce que c'est des questions qui me reviennent souvent quand je monte les cuisines, etc. Est-ce que je peux prendre qu'un seul caisson, qu'un tiroir? Tout se vend à l'unité. Vous pouvez acheter que la façade, que la façade, que les portes, hein, comme ça. Vous pouvez acheter qu'un seul caisson. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de condition. Ça ne se vend pas par lot, par pack, enfin, ouais, pas du tout. Voilà, vous faites vraiment par rapport à ce que vous recherchez et selon vos es enfin, votre espace, etc. Voilà. Et si vous avez déjà une cuisine de chez Brico Dépôt, mais dans les nouvelles gammes, c'est-à-dire celle-là, hein, celle que je vous montre ici, vous pouvez changer aussi les portes si vous le souhaitez. Si vous avez l'ancienne gamme, parce que ça aussi c'est une question qui me revient souvent, j'ai l'ancienne gamme, mais qui est plus en vente actuellement. C'est pas les mêmes dimensions au niveau des caissons, donc les portes ne conviendront pas. Voilà. Donc voilà, donc ici le plan type 339 euros, modèle exposé 1887 euros 50. À savoir que regardez, elle existe aussi en couleur crème. Elle est, je l'avais jamais vue celle-ci. Ils ont enlevé la rouge pour mettre celle-ci en fait. Voilà, elle, couleur crème. Et franchement, elle est canon. Je la trouve trop jolie. Et avec le bois là, je trouve que ça se marie super bien. Voilà, donc là 379 euros pour le plan type. Le modèle exposé coûte 2997 euros et 30 centimes. Alors là, on est plutôt côté bois, on a la gamme Pachira. Donc là, le plan type est à 469 euros. Ok, et ici, le modèle exposé coûte 2060 euros. Je vais vous montrer un autre système d'angle, je ne sais pas si c'est sur. Non, c'est pas là. C'est dans l'autre. Ah ouais, non, celui-là. C'est bien là. Ensuite, on a celle-ci, moi j'appelle ça la demi-lune, rangement space. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Vous voyez, ça sort vraiment jusqu'à vous. Mais je préfère quand même l'autre système d'angle. Voilà, donc là, ce système coûte 229 euros. Voilà. Après, ils vendent pas mal d'accessoires, en fait, hein, pour du rangement, etc. Tel que, par exemple, ici, vous voyez. Ça, c'est un rangement extérieur pour verre à pied. 7,90 € à venir fixer, comme ceci. Celle-ci, c'est un nouveau modèle. Enfin, elle était jamais exposée. Vraiment super jolie. C'est la Verbena chaîne massif, plan type 639 euros. Donc là, c'est vraiment super beau, très chaleureux. J'aime beaucoup. Donc, le plan de travail, vous voyez, ils ont mis un plan blanc comme ça. Ça ressort bien avec les poignées blanches. Effet bois. Enfin, c'est pas un effet bois, c'est du bois. C'est du chêne massif. Donc, le plan type coûte 639 euros. 639 euros. Plan type 639 euros. Et le modèle exposé coûte 2628 euros. Je vais continuer avec le modèle à côté. C'est la Passia. Passia noire. Donc ça, c'est le modèle que je vous ai montré tout à l'heure en blanc à 1 euro les portes. Donc c'est exactement la même. C'est sa grandeur. Hein. En noir, plan type 479 euros. Alors elle donne bien aussi en noir. Hein. C'est du noir mat. Voilà. Ils ont mis une crédence cuivrée avec des petites poignées cuivrées. Ça fait le rappel. C'est très joli. Voilà. Et celles-ci, elles ont un petit système d'allumage. Regardez, deux lumières. Un moment, je sais pas si c'est. Ah oui, mais là, c'est vrai que maintenant, avec les économies d'énergie, c'est pas allumé. C'était trop bien parce qu'il y avait le côté tactile en fait. Il suffisait de passer comme ça à la main et il y avait donc différentes luminosités. En fait, la lumière était réglable. C'était vraiment très bien. Enfin, bref. Donc, voilà pour les cuisines de ce côté-là. Je vais vous montrer celle-ci là-bas. Alors, ici, on a la Garcinia blanche. Garcinia modèle exposé, 1716,30 euros. Pour le plan type, c'est 429 euros. La Garcinia, elle existe aussi, vous voyez, en gris anthracite. On peut très bien mixer entre les deux, blanc en haut, gris en bas, ou voir l'inverse, pourquoi pas. Ensuite, on a celle-ci. C'est la Artemisia,
bleu, 459 € le plan type. Donc le modèle exposé coûte 2202 €. Elle existe aussi donc de couleur blanche. Regardez, hop. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Ça vous permet d'avoir des rangements là, vous perdez aucun espace. Voilà, donc on a également la blanche. Je suis en train de vérifier. Est-ce que c'est le même. Ouais, c'est le même. Non, c'est pas le même prix. Celle-ci, c'est 429 € le plan type. Modèle exposé, 1800 €. Après, à côté, on a celle-ci qui vient en tracite. C'est la Stevia. Hein. Du coup, elle est à 1623 €. Et là, c'est la Alpinia chêne clair, 1921 €. Et le plan type coûte 379 €. Voilà, donc ici, on a toutes les poignées. Vous voyez déjà hein, que la poignée là, en laiton, les portes que je vous ai montrées tout à l'heure à 1 €, non seulement il y a la porte, en plus ça, il y a la poignée. La poignée coûte 10 €. Hein. 10 balles. En laiton brossé. Voilà, franchement, il y a tout dans ces modèles-là. 19 € celle-ci, en canon. Il y a pas mal de choix. Voilà, on a du noir, du chromé, du cuivré, du bois, du doré. Des petits boutons comme ça, ceux-là sont à 7 €, ceux-là 4,50 €. Après, en crédence, voilà, toutes celles-ci sont là. Elles sont, donc la moins chère, c'est 79 €, 79,90 €, parfois elles sont réversibles. Et il y a 1,80 m par 60. Voilà. Après, en plan de travail, on a tous ces modèles-là. On n'a pas l'effet marbré. Hein. Si vous le recherchez, ils ne le font pas ici. Mis à part, de temps en temps, en arrivage quantité limitée. Voilà pour cette vidéo. La vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis donc à très vite. Gros bisous. Bye bye.